chien revenu. On travaille. Alors la journée passe très vite, il est déjà 5. Je fais que travailler. Parce que dans une semaine, il y a mon voyage pour une sororité. Putain, les photos de ma maison, les mecs. La maison est incroyable. Juliana est en train de faire la maison, est incroyable. Je suis choquée. Le coucher du soleil est vraiment trop beau. Ça me choque. Mais vraiment, je vais jamais m'en remettre. C'est trop de beauté dans ce monde. On va être là et rester un peu de trucs, des miettes. Et c'est quand je suis arrivée, c'était rempli de petites fourmis. Voilà, en réalité, elle n'a plus trop de calme. Alors, je veux pas, parce que je veux pas tuer les fourmis, donc je fais ça pour qu'elles s'échappent. Bon, j'ai envie de cuisiner. Et quand je suis sortie tout à l'heure, faire des petites courses. Allez, j'ai aucune patience. Oh, oui, j'ai un fourmi, gars. Foi bom na tua mãe? Olha o que eu trouxe também. O negócio que eu tinha comprado, que é de limpar vidro. Ah. Bom pra cacete pra gente poder limpar. Ela trouxe esse também, que eu vou poder usar pra limpar. Vai se guardar de cara agora. Ih, a gente vai limpar! A gente vai limpar! Ah. O cheiro da manteiga não é uma das coisas melhores. Alors j'ai aucune idée de la quantité qu'il faut mettre, mais je me dis qu'une brique, ça a l'air bien. Ça fera de la sauce. Extrêmement bon. Tu sais ce qu'il faut que je m'achète? Un cuiseur de riz. Je sais pas si tu t'en souviens, j'en avais un. C'était ma pote qui me l'avait offert. Ça avait changé ma vie quand j'habitais à Istres. Et j'ai senti le manque du cuiseur de riz. Donc je vais en acheter un. Là d'ailleurs, on l'a commandé. J'en ai acheté un pour la cuisine des filles dans ma maison d'hôte.
Parce que je pense que c'est important qu'elles aient un cuiseur de riz, ça va faciliter leur vie. J'aurais même acheté un micro-ondes, que je déteste les micro-ondes, mais je me dis bon, c'est leur cuisine. Et pour ma cuisine à moi, j'ai commandé aussi un cuiseur de riz parce que c'est important. Oh, ça a un pochino de goût. Vai ficar bom, não? A roteirista é o profissional responsável por criar ou até adaptar uma história. Você viu que eu fiz um coração? Tá gostando? É? É um pouco diferente da receita daqui. Agora o mundo quer saber. Como foi? Como tá? Muito gostoso. Muito tu sempre cozinha muito bem, gatinha. Ai, amor, obrigada. Igual eu falei, tu pode fazer com macarrão com manteiga que eu vou, porra, vou lamber os dedos.